nous fait canal, n'a fait canal, nous pas pour deuxième canal là, eh bien c'est sûr certain, nous-mêmes nous disons merci en pile parce que bon, c'est sûr certain, faut nous fait canal, n'a fait canal, nous pas arrêter pour nous faire canal, mesdames, c'est KPK, KPRP Red. Mais pendant qu'on a parlé de ça, nous devons faire parler de ça parce que nous apprenons que demain lundi là, et pour pas dire plus tard, eh bien, n'a pas demandé monsieur Bessapio pour camper encore plus jump. Monsieur Bessapio camper plus jump, plus solide mais que Jean nous déjà solide là. Parce que nous apprenons que l'armée dominicaine, ils pourront renforcer ce canal là. Ils pourront renforcer tout bon canal là. On façon nous-mêmes qui gagnons des informations hein, pour nous pas prendre intimidation, pour nous continuer à faire travail nous et surtout pour population. Hein. Population hein, exactement ce canal là. N'a dit nous pas prendre intimidation, faire ça nous pour nous faire. N'a prêté quelques âmes et puis n'a continuer travail. KPK, Pirate, mesdames et messieurs, on façon pour nous dire que oui, il a renforcé par eux, bon côté par eux, mesdames et messieurs, il a renforcé. Et puis nous-mêmes, tout, nous avons renforcé tout. Ah oui, agent Bessapio, je connais qu'il a déjà renforcé, nous avons dit qu'il a renforcé davantage, mais on nous fait de façon calme pour ne pas que nous ne laissions aller. Là, nous avons salué. Bonjour Dimi, bonjour tout auditeur Olivier Chanel, mon affaire bon TV, encore une fois, nous comptons comme à la coutumeur pour que nous sommes capables d'entrer la caille pour nous informer tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti et pourquoi pas dans tout le reste du monde là. Et bien encore une fois, nous souhaitons tout le monde bon lundi, bonne semaine, et bien nous souhaitons que semaine sans ou semaine, et bien Dimi, qui peut bien courir par rapport avec à tente là qui gagne au niveau, et bien liste de personnalités qui sont sanctionnés par les Nations Unies, eh bien, nous connaissons, rappelé, c'est les 13 qui sont venus là, eh bien, l'Israël va le pour sortir, mais on dit au gouvernement haïtien, la sortie en autre, eh bien, quand vous faites comprendre, que impassable, que tant, eh bien, l'Israël pour sanctionner, bon. Et sans oublier, Dimi, eh bien, bah, là, prend l'autre ampleur au niveau frontière là, l'armée dominicaine décide de renforcer lui pour une faire qui ça, à quel objectif, nous pas connaît. Mais Dimi nous capable dire la paix appelle à les lancer à chaque de nos concitoyens et concitoyennes au niveau Wanamed pour capable plus vigilant par rapport avec décision qui vont côté de la main dominicaine. Mais chaque nous terre avant et bien tu t'as point des armes sur t'as break des armes sur nous et bien côté colonel et la main dominicaine il prend décision et pour que il capable renforcer et bien frontière là pour capable créer plus intimidation bon côté et bien et bossio et à jamais ça peut donc ça veut dire là demander pour nous capable mettre plus surveillance par rapport à ça qui capable gagner et en toute fin et les travaux de construction canal là. Oui, évidemment, et sous canal là n'a dit faut gagner plus discipline et mesdames messieurs. Mais n'a quitté ça quelques secondes, nous parler liste sanctions Nations Unies qui t'a dû sortir plus tard et pour pas dire lundi là, mais d'après enquête nous d'après petit parler que nous avons fait mesdames messieurs, semble-t-il qu'il ça pas sorti. Semble-t-il qu'il pas sorti plus tard, je vous dis lundi là pour pas dire dans semaine là raison, eh bien il y a quelques monde que nous parler. Moi t'ai quand t'a dit nous ça, c'est dans sur channel là. Moi t'ai dit nous bon côté la Russie. Bon côté pour pas dire la Chine. La Russie avec la Chine exiger pour yon mette non Ariel Henry dans liste sanction. Nous te ban nou information ça. Nous te gen déjà. Moi dis nous que la Russie avec la Chine exige pour yon mette non Ariel Henry dans liste sanction. Si nous sur channel là, moi te dis nous, OK? Et moi te dis nous en nouvelle vers zone 15 novembre yo. Raison c'est parce que gen négociation qu'a fait là. Gen gros négociation qu'a fait pour pas mettre Ariel dans les sanctions et puis bon côté la Chine la Russie yo même yo cementé fuck non Ariel dans les sanctions. Kounya la bagala mangonel là pendant m'a parler avec nous là. D'après ça que nous comprenons, équipe PHTK pour pas dire équipe Michel Matelia yo même tout, y a négocié là. Équipe Michel Matelia y a négocié ou regarder sur tout réseau ou écrit ou pas barrem ou pas si ou pas ça son façon équipe Matelia a fait l'obéi ou façon pour pas mettre non Michel Matelia dans sanction. C'est bagage ça qu'a décidé pendant m'a parler avec nous là. Donc évidemment pendant équipe Matelia pas veut mettre non dans sanction, c'est même bagage là nous apprendre monsieur PHTK même bon côté par yo dit faut non Aristide dans sanction également. Donc, pendant que je parle avec nous là, vous comptez dans un jet élastique. Ça va tirer à gauche, ça va tirer à droite. Mais l'essentiel pour Kounia là, pendant que je parle avec nous là, pas de monde qui connaît exactement
qui est-ce qui va dans les sanctions hein, ou pas. Mais bref, pas oublier me dire nous information sur certains équipes bon côté la Russie, bon côté la Chine, yo même yo dit fuck Ariel Henry dans question sanctions. Hein. OK? Donc pour qu'on y a là, nous pas qu'on cale trop vite, on nous suit, on nous observe, mais c'est ça qui a destiné à terre là qui est très important. Là nous bon une seconde, nous va laisser quitter ça quelques secondes, nous pour venir avec l'autre détail. Mais avant ça, et mesdames et messieurs, nous va laisser on va laisser ouais si me capable fonti parler avec pasteur Moïse. Nous gagnons occasion en or. Peuple haïtien, la diaspora haïtienne. Jodi a la nous gagnons occasion en or. Pendant n'a parlé des canals. Pendant n'a parlé des canals, faut nous pas oublier. Eh bien, c'est même moment ou même qui voulait venir investir ou même qui voulait vraiment venir investir en Haïti, faut qu'on lever camper parce que nous connaissons ces 10 familles. C'est 10 familles qui parlent, même haïtiens qui prennent Haïti en otage. Pasteur Moïse, bonsoir, bonjour Pasteur Moïse, bienvenue sur Channel Bonafè Bon TV dans l'ESA. Comment est Pasteur Moïse? Ok, nous voulons rejoindre Pasteur hein, dans quelques secondes. Nous allons laisser rétablir communication. Hein. Oui, nous disons c'est 10 familles, mesdames, messieurs, qui pas haïtiens. Monsieur, ça n'a pas été pays d'Haïti. C'est yon kembe Haïti en otage là. Nous avons occasion en or. C'est-à-dire que nous tous nous connaissons les Brant, les Meuse, les Accra, hein, les Boulos. Ou même qui voulait venir faire un business, ça n'a pas foutu faire en Haïti. Ou même qui voulait faire un gros business en d'un pays là, pour qu'on ait yon pas vle, yon pas bon, yon pas plaisir au passé. Eh bien, c'est le meilleur moment. Occasion ça que nous gagnons là, occasion canal là, pour nous tout profiter, pour nous chavirer le système ça. Nous devons chavirer le système ça. Et là, nous allons avancer pendant que nous allons laisser. Oui, Pasteur Moïse, bonsoir. Eh bien, nous allons avancer, nous allons entrer dans le dossier, eh bien, sanctions, liste de sanctions qui est pour le publier dans les prochaines heures. Eh bien, nous allons dire qu'on jette là, tirez vous qu'à faire là, entre Ariel Henry et équipe, bon, j'en dis à équipe Matelia, mais c'est pas seulement équipe Matelia, il y a tout monsieur qui est impliqué dans le cas de PIA. Ou bien que pour moi-même, les sanctions ça, les pas une solution définitive pour Haïti parce que au paquet de l'autre encore, peut-être que vous êtes sanctionné qui va gagner non dans l'islam. Mais qu'on dit, PSTK a mandé pour mettre nos arsines, bon, ni Matelia. Bon, une seconde, nous, nous pas qu'attendre bien. Bon, une seconde, mesdames, messieurs. Et le temps que nous juste reprend Pasteur Moïse et avec nous là, nous allons reprendre la nôtre là quelques secondes parce que nous sommes là pas sorti très bien. Voilà. Ok, bon, et puis au-delà de sanctions, on a parlé là, mesdames, c'est fort, nous pas oublier, nous devons lever camper, pas oublier par rapport à gouvernement dominicain qui eux-mêmes qui parlent, ouais, nous, question 100, mesdames, messieurs. Nous, justement, bloc 100 qui était passé, ou pas de monde qui parlait de ça. Faut nous faire un jour pour nous retourner avec dossier ça. Pasteur Moïse, m'a dit bonjour. Nous sommes très fatigués, mais nous ne sommes pas capables de parler, Pasteur Moïse. Et comment est-ce que bonsoir, bonsoir. Nous saluons tout le monde à faire bon TV. Nous saluons tout auditeur, tout auditeur qui a écouté nous. Exactement que Jimmy Jean dit là, il y a un dossier qui est là pour être capable d'exterminer la race haïtienne. Et que nous saisissons pour nous voir que les journalistes font silence, l'État fait silence, tout le monde fait silence sous lui. Comment vous voulez que nous ayons un check aléatoire, un check par hasard, qui t'a fait sous toi, que le vice-délégué a saisi en quantité de sang qui est au nombre de 27 pochettes de sang, qui veut tester dans le laboratoire national, ministère de la Santé publique et de la population, révéler que tout sang ça a eu là sida avec hépatite B, et bien encore que. Nous avons que dossier ça râle, mettez dans le tiroir. Nous avons besoin qu'on ait que depuis qu'il est dominicain, il y a 20 ans infecté ça. Et combien de monde qui te pense en République dominicaine qui doit faire test pour connaître est-ce que y a maladie sida? Et nous croyons que les jeunes ont déjà au cap. Et on aura Dieu de l'ouvrir pour que nous soyons capables de connaître. Et dossier ça doit arriver devant le tribunal et pénal international devant les Nations Unies. Et que plan exterminateur, ça c'est vrai, nous connaissons qu'il y a capable de nous raison. Même Jacques, dans la choléra arrivé devant la Nations Unies, il n'y a pas raison. Il n'y a pas raison. Et bien que mais nous devons continuer à porter plainte contre Dominique qui voulait finir avec la race haïtienne. Oui, mesdames, messieurs, c'est exactement ça. Faut nous porter plainte à l'échelle internationale contre la République dominicaine.
et j'en nous dis nous capable tellement gain dossier moun oublier dossier ça nous même qui dans média n'oublier ça mais faut nous retourner avec lui donc pasteur Moïse ça veut dire que si gain moun cap tande nous là yo capable également porter plainte contre la République dominicaine dans dossier pour prochaine ça n'a faut appel à tout haïtien qui avocat aux États-Unis au Canada en France partout et ça est là pour fond faisceau qui travaille sur le dossier, ça vous relève, une fois encore, ministère de la Santé publique et directeur départemental de la Santé publique du Nord-Est et vice-délégué départemental là, pour avoir des informations, ça est clair, en termes de que pour nous capables de faire ça, pour nous porter plainte. Nous n'avons pas un corps diplomatique qui a défendu nous, nous n'avons pas un gouvernement qui a défendu nous, mais plus que nous sommes des vrais patriotes, et bien encore, nous devons défendre la race là parce que c'est une opportunité qu'il ouvre pour nous, pour que nous capables une fois encore ouvrir et défendre la race là, défendre la nation hein, contre tout ça infecté. Ça. Dis-moi donc que gagnons pas contre de dévoué, information ça va où, un journal qui est sorti 20 juin 2019, qui était guettant, dit que 48% de monde qui fait en République dominicaine fait accident dans ça. C'est-à-dire que lorsque Dominique a publié un tel bagage, imaginons que 48%, depuis 2019, oui, de dire que 48% de monde qui fait en République dominicaine fait avec accident dans ça. C'est-à-dire qu'il y a comme depuis qu'il est, qu'il y a bail maladie ça, même si que l'autre grande puissance a fait ça déjà pour finir avec nous. Mais je dis, hein, avec gens que parole la médiatiser rapide, et bien, nous deux prenons ça une fois quand même, genre que nous prenons dossier canal là en main, nous deux prenons dossier ça en main. Et nous avons lancé un appel aux investisseurs pour venir investir dans Nord-Est. Et nous disons ça déjà dans tout aspect, dans l'agriculture, dans les œufs, dans les poules, dans les sachets plastiques, dans tout le bagage que nous avons acheté en République dominicaine, parce que il y a une terre qui est disponible. Il y a des gens qui ont une terre pour vendre, il y a des gens qui ont 120 carottes pour vendre, il y a des gens qui ont 9, il y a des gens qui ont 6, qui ont pile terrain pour vendre, et il y a des terres à l'État que nous sommes capables de chercher. Pour que nous capables une fois encore aider investisseurs jouer un terrain acheter pour venir investir parce que si bagaille qu'il y a pas acheté ça demain yo nous pas produire tout dans zone nord-est et mais nous pas ca Québec comme pas peuple là parce que peuple là grand pris l'amour grand goût l'état va porter ce coup pas gagner ces deux frontières que qu'on a vivre grand goût comme ça pasteur grand goût oui parce que commerçant pas ca payer sol ça que qu'on dans sol par un quinze autres c'est puis que l'état malgré appel que moi t'ai fait direct face à face avec ministre agriculture pour me demander pour te faire nous joindre et machine agricole pour nous rabouer terre pour paysans gratuite par exemple que nous seulement t'a mettre gaz mon qui gagne 2 3 4 hectares de terre pour que nous baille au premier service là pour que retourner la terre et bien on connaît agriculture par notre domaine ça monsieur ça par un pays par un budget il va répondre à l'appel ça dit que connaît la peuple là a dit que les frontières fermées. Il y a pas contre qui simple yo relé par l'état qui accordé yo il a fait pression qu'on y a là gen un groupe de monde par contre c'est l'agent jeune nommé Abinadel qui dit a lancé manifestation là pour bander pour frontière à l'ouvrir et d'autres bagages encore que nous apprendre que Abinadel n'a contrebande comment Abinadel l'elwe que frontière pas de l'ouvrir à bouler produire mais les descendants bon même des chita avec grand commerçant yo demandé pour réviser cahier yo. Tout gros commerçant haïtien qu'on achète dans 30, 40, 50 000, 200 000, 300 000 pesos, et bien c'est plus au vendre yo, et li baye l'ordre à gade yo qui dans, à gouade yo qui dans frontière là, et bien encore que dans zone Ponigo, côté que le Ponigo dans zone Capotidjo, pour occuper haïtien ça au passé, ça au papier 5, comme ça veut dire que contrebande a passé partout, et ça est là dans frontière là, vieux yeux gâtés, vieux jumex gâtés, bagaille vieux farine qui était là, dans le dépôt qui est expiré, mon yo a traité avec yo sous marché, et nombre de policiers est suffisant pour contrôler toute frontière là, et nous pas gain produit de substitut pour nous capable couvrir, et ça fait que nous font appel à la diaspora